Les réfugiés et retournés centrafricains installés ici sur le site de Gaoui depuis 2013 font partie de plus de 6000 réfugiés vivant en N'Djamena, la capitale du Tchad. Le gouvernement tchadien et des organisations humanitaires les prennent entièrement en charge pendant les deux premières années. Mais aujourd'hui, ils se sentent abandonnés. Elle nous a donné 70 000, 75 000. 75 000, tu payes l'école, tu achètes les cahiers, les tenues pour les enfants, et puis combien reste pour que tu te débrouilles avec. Les personnes de maison nous ont dégagé, ils nous ont dit que déjà, vous n'avez pas d'argent, il faut sortir de notre maison. Nous sommes tous retournés ici dans le site. Et puis dès que nous sommes ici dans le site, pas d'assistance, pas d'hôpital, pas de moustiquaires. Les maisons sont déchirées. L'OICR, à travers son partenaire Acted, a tenté de réinsérer ces réfugiés et retourner dans les quartiers de N'Djamena en payant 6 mois de loyer par ménage avec un fonds d'appui pour les activités génératrices de revenus, mais c'était peine perdue. À peu près 2 ans, là, on a bien traité. Maintenant, presque 3 ans, on a beaucoup souffert. Regardez comment nous sommes. Vraiment, on n'a pas envie de rester même ici, parce qu'on souffre beaucoup. Si le système d'assistance mis en place pour insérer ces personnes vulnérables ne résout pas le problème, l'OICR sera obligé de les déplacer vers un autre camp à l'intérieur du pays. Nous avons au-delà de 14 camps ici au Tchad. On peut les transférer au camp. Et au camp, il y a tous les services disponibles. Des sources dignes de foi laissent entendre que le camp de Gaoui, qui abrite aujourd'hui environ 4 000 réfugiés et retournés centrafricains, sera fermé dans les jours à venir.